Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai 54 ans. J'habite la région parisienne à Colombes. J'ai quitté l'école pour pouvoir travailler, donc je faisais des périodes de 15 jours dans des entreprises de plomberie, de garage. Comme ça que j'ai pu me payer ma première petite mobilette. J'étais sur le chômage, en vie. M'a permis de passer mes examens et de retrouver du travail. Au départ, c'était être sur une chaîne et dépolluer les machines. Par la suite, on m'a proposé beaucoup de choses, donc de chercher un emploi, de me réinsérer dans la vie. Ça m'a permis de passer mes permis de cariste et de pelleteuse. Ma directrice m'a gentiment proposé si je voulais passer mon permis de transport interurbain, et que j'ai fait, que j'ai réussi avec succès. J'espère que je pourrai être chauffeur de car. L'avenir nous le dira. Je m'appelle Boris, j'ai 33 ans et donc je travaille chez Dorisbourg. Je suis venu chez Dorisbourg grâce à Envie et j'en suis très content. Ça a été une chance, à l'époque je ne savais pas que ça serait la chance. Ça m'a permis d'acquérir des compétences, conduite d'engin. Envie, ça m'a vraiment appris ce que c'était la vie professionnelle vu qu'avant je ne connaissais pas vraiment la vie professionnelle. C'était vraiment un tremplin pour aller vers d'autres choses. Je pense que ça m'a appris surtout à être utile. Voilà, c'est ça. Vraiment apprendre à être utile aux autres. La mission d'Envie, c'est d'aider des personnes qui sont éloignées de l'emploi à retrouver un emploi pérenne. Chez nous, elles vont trouver deux choses. D'abord un travail et un salaire, et ensuite un accompagnement socio-professionnel. Ce qui fait la force d'Envie, c'est vraiment qu'on prend le temps d'accompagner les salariés. Ce temps permet notamment de les accompagner vers l'autonomie sociale, mais aussi l'autonomie professionnelle. Je m'appelle Lucien. En 2010, j'ai tout perdu. Travail, divorce, maison, tout. Je galérais. Un moment, je n'étais pas moi-même. Pôle emploi, qui se trouve à Gennevilliers, m'a trouvé une activité de chez Envie. Je me suis laissé embarquer. Et ça a payé. Moi, je suis Odile, j'ai 45 ans. Je suis née au Cameroun, à Douala. Je suis assistante administrative chez Envie depuis 2011. Je suis arrivée en France en 2010 par regroupement familial. Voilà, j'ai vécu un moment avec mon mari. Malheureusement, c'était un mari violent. J'ai décidé de le quitter. J'ai contacté assistante sociale, espace d'insertion. C'est elle qui a postulé pour moi auprès de Envie. Ça s'est très bien passé. Elles m'ont posé des questions sur mon parcours. J'ai été vraiment très sincère et très honnête. Je leur ai dit, moi, j'ai envie de travailler. Et j'ai commencé chez Envie. Pour de Richebourg, l'économie circulaire est indissociable de l'économie sociale et solidaire. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec la Fédération Envie ensemble. De Richebourg est spécialisé dans le recyclage et l'économie circulaire. Envie est spécialisé dans l'économie sociale et solidaire et spécialisé dans l'insertion. Pour nous, c'est un partenariat naturel et bénéfique pour tous. Il a permis, depuis sa création, à un très grand nombre de personnes de sortir de la difficulté. Nous, association, on n'aurait pas été capable de faire ça tout seul. Grâce au partenariat qu'on a avec De Richebourg, on a pu aider des dizaines de personnes à sortir du chômage. Je ne me suis jamais pensé être chef un jour. Alors qu'en arrivant ici, en me donnant cette tâche, je ne peux que m'incliner. Quand vous trouvez une équipe comme celle-là, vous dites bien même que vous avez des lacunes, parce qu'on vous met en confiance. On les aide à révéler leurs qualités, mais c'est leurs qualités, c'est pas les nôtres. Et c'est très, très agréable d'être un révélateur de tous ces talents. Tout ce que je peux dire, c'est que la femme que je suis aujourd'hui, la femme que vous avez devant vous, je suis cette femme aujourd'hui grâce à Envie. On est un peu comme dans une petite PME familiale où on vit avec les salariés, leur quotidien, leurs victoires, leurs échecs parfois aussi. Mais les échecs, ça fait aussi avancer, ça fait grandir. Quand on prend un peu de recul, c'est beaucoup de grands moments.
On a de nouveaux projets avec la Fédération Envie. Les éco-organismes nous soutiennent dans ce partenariat. C'est pour nous une force et ça nous donne envie d'aller beaucoup plus loin dans cette démarche. Je m'appelle Bernard, j'ai 61 ans. Je suis chef d'équipe de la société Envie à Toulouse. J'ai fait pas mal de métiers, j'ai toujours appris sur le tas d'ailleurs. Et quand je me suis retrouvé du jour au lendemain sans plus de boulot, sans plus de maison, sans plus rien parce qu'on m'a tout pris, je trouve qu'Envie, ça a été pour moi une grande bouée de sauvetage. Moi, c'est Monsieur Antoine Parcot. Voilà, j'ai 38 ans. J'habite à Toulouse depuis 2007. Je suis en vie aujourd'hui en tant que chariste. J'ai fait de tout. J'ai fait de tout éboueur, j'ai fait de tout pour être au moins en activité. J'ai connu pire et ça, c'est que du triage et du recyclage, ça me fait plaisir. Je m'appelle John, j'ai 34 ans. Je travaille chez Envie depuis un an et demi. Et je suis agent de tri, chariste et pelleur. Depuis un an et demi que je travaille chez Envie, c'est plus... J'ai passé un autre cap. J'ai changé d'appartement. J'ai eu mes cassettes. J'ai mûri. Hein. Mon rôle à moi, c'est la formation des compagnons qui sont avec moi, de leur donner le goût du travail, parce que souvent, c'est des gens qui ont été éloignés du travail pendant longtemps ou qui n'en ont même, pour certains, jamais eu. Si on sort d'ici en ayant amené des gens vers l'emploi, quoi de mieux? J'espère partir d'ici avec tout ce qu'ils m'ont appris, tout ce que j'ai appris ici et poursuivre mon projet... Mon projet pour ma vie, pour ma retraite, tout ça. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à déjà être fier de moi. Quand je suis là-haut sur la pelle, je me dis que j'ai fait un très très gros parcours. J'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avoir une vie sociale structurée, travailler dans quelque chose qui me plaît. Et j'ai envie de dire Envie un grand merci. Qui continue comme ça, toute l'équipe d'Envie, toute l'équipe. Continuez sur cette route-là, c'est parce que vous faites un très beau métier, vous défendez l'environnement, vous défendez beaucoup de gens aussi. Je souhaite longue vie à Envie. Merci beaucoup.